est-ce que tu t'es déjà senti mal à l'aise? Mais genre vraiment mal à l'aise pour une raison que t'arrives pas à expliquer. T'es stressé, t'as la boule au ventre, t'as du mal à parler aux gens, et tu te demandes même qu'est-ce que tu fous là. Si t'as déjà ressenti cette sensation, j'ai un secret pour toi. Dans les interactions sociales, il existe une règle fondamentale. Le plus tu agis sur ton environnement, le moins ton environnement agit sur toi. Et tu demandes sûrement, ok, mais comment est-ce que je fais ça? Et bah voilà, comment est-ce que tu fais ça? Je suis pas en state là. Ok. Là en ce moment même, je suis pas en state là. Là, je suis un peu stressé, j'ai un peu la boule au ventre. Je pars en coaching. Et du coup, je vais vous montrer comment je vais faire pour changer cet environnement, changer cette sensation que j'ai en moi, dans cette boule au ventre. Déjà, je l'exprime. J'ai mal. Ah, je me sens un peu stressé. Il y a des gens autour, mais c'est pas grave. Je vais rester, je vais tout faire pour être présent. Du coup, je vais parler plus fort. Et je vais prendre des mouvements amples. Ouais, tout va bien, je m'en bats des couilles, la météo elle est belle, il fait pas beau, Tu vois, je dis un peu n'importe quoi, je m'en bats des couilles. Elle a de la fourrure. Tu vois, si tu peux filmer la fourrure. La fourrure, un peu comme la mienne finalement. J'ai envie de lui dire beaucoup de choses à cette femme. J'ai envie de lui dire que la planète est en voie de disparition et que plus nous allons acheter de la fourrure, nous allons détruire des goélands. Pensez aux goélands. Les goélands sont nos amis. Pélicans, les pélicans aussi. Il y a des boules, des belles meufs fraîches. Bonjour. Je sais pas quoi dire, mec. J'ai aucune inspiration, mais je sens que ça monte là. Je sens que ça monte. J'ai envie de dire salut. Bonsoir, vous allez bien? Voilà, donc on dit. Ça y est, ça monte petit à petit. Je me dis qu'il faut que je parle au peuple et que je m'exprime face à tout le monde et que je lève la main. Bonjour. Les gens n'apprécient pas forcément, mais ce qui compte, c'est que j'aime les gens avant tout. C'est que je leur donne beaucoup d'amour. Nous sommes sur la place Saint-Projet. Saint-Projet, une très belle place inventée en 1872 par Gustave Le Bon. Gustave Le Bon qui était un grand écrivain et aussi grand architecte par la même occasion, qui a servi la police nationale et municipale. Municipale qui est bien différente parce que les municipaux, eux, sont payés à rien. Je rigole, on vous aime bien la police, on aime la police. Avant tout, ce sont nos amis, c'est ceux qui nous protègent. T'as un magasin assez particulier car il prolifère simplement les soutiens-gorge et les culottes de femmes. Ils font pas des culottes d'hommes, ce qui est un peu dommage. Je pense qu'ils devraient favoriser les culottes d'hommes parce qu'on pense pas assez aux hommes aujourd'hui. On dit oui, les femmes. Mais bon, aujourd'hui, on fait quoi? On fait des boxeurs avec des trous qui se trouent au bout de deux jours. J'en ai marre. Moi, je pète dans mon slip. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est un monde juste et équitable entre les hommes et les femmes. Et les chèvres. On pense pas aux chèvres aussi. Cet animal, cet animal assez particulier, cet animal qui louche au quotidien et qui sévit de quelques phrases pour se rendre heureux, comme bah. Ou encore deux phrases assez construites et constructives. Voilà, je sais pas, ma state me sent beaucoup mieux juste parce que j'ai parlé dans le vide à l'infini et j'ai inventé des mots et des phrases qui n'ont aucun sens. Ah, on a la même veste, très belle veste. Sponsorisé Uniqlo dans cette vidéo. Uniqlo qui... production française, n'est-ce pas? Exactement, hein, ça c'est français. Hein. On arrive bientôt à Grand Théâtre. J'ai oublié ma montre qui a brûlé. Putain, je peux pas compter mes pas. Ça me casse les couilles. Mais c'est pas grave. Avant tout, le purpose. 17h58, ma grand-mère m'envoie coucou. Ma mamie, je te dis bonjour. Oh le cadrage. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je sais pas quoi dire de plus. Mais je vais quand même le dire. C'est que la vie est belle. La vie est courte, mais elle est surtout belle et intense. Est-ce que t'as vraiment envie qu'à 99 ans. Qu'est-ce que t'as envie de te dire sur ton lit de mort à 99 ans? Qu'est-ce que t'as envie de te dire, mon gars? Qu'est-ce que t'as envie de te dire? T'as envie de te dire oui, je suis content, j'ai eu une Porsche dans ma vie. Non. C'est quoi ce que tu vas te dire quand tu seras sur ton lit de mort? Qu'est-ce que tu vas te répéter? Est-ce que tu vas te dire je suis content d'avoir été riche? Ou je suis content d'avoir eu une vie riche? Je suis content d'avoir vécu des moments intenses, d'avoir brisé mes peurs, d'avoir abordé des filles dans la rue par exemple. Des choses que personne ne font. De quoi nous serons heureux? De quoi serons-nous heureux à la fin de notre vie? De ce que nous avons vécu et traversé. Des choses invraisemblables, des choses qui nous font trembler. Toutes ces choses-là nous aider à devenir meilleurs. Et c'est pour ça que je vous aime de tout mon cœur. C'était Alan pour Nabs. Je vous aime. Bisous. Bonsoir. Bonsoir. Excuse-moi, je fais une interview sur les gens de Bordeaux. Ah, j'habite pas à Bordeaux. Ah, t'es pas de Bordeaux? Non, je suis de Paris. Dommage. Est-ce que tu aimes la vie? J'adore la vie. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la vie? La vie,
vie est une fête. Je dis ça parce que je viens de voir le film Babylone et c'était une réplique. Ah, et c'était bien ce film ? C'était super, je le conseille. De quoi tu seras le plus fier à tes 99 ans ? Ah, je ne suis pas encore, mais je pense que ce n'est pas encore construit. Enfin, je pense que là, 99 ans, je peux dire de quoi je suis fier aujourd'hui, mais pas à mes 99 ans, c'est sûr. Parce que souvent, on se dit, ouais, j'aimerais être riche, j'aimerais avoir beaucoup de choses dans la vie, tout ça. Mais finalement, genre, quand on sera sur notre lit de mort, qu'est-ce qu'on fera le plus ? Mes souvenirs, l'amour que j'ai pu donner et recevoir. Ah, c'est bon. C'est exactement ce que je pense. Ça fait plaisir. Bah voilà. Je te remercie. Bah écoute, avec plaisir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir. Voilà, donc finalement, je suis pas le seul à penser ça. Ça fait plaisir. Je pense qu'on devrait tous parler aux gens et les rencontrer. Voilà, vous avez pu voir un exemple de comment pumper sa state et d'appliquer ça. Vous pouvez répliquer ça dans votre quotidien également. Faire exactement la même chose. Je vous remercie. C'était Alan pour Nabs. Si t'as une chose à retenir de cette vidéo, c'est que la prochaine fois que tu te sens pas à ta place et mal à l'aise, au lieu de surcomplexifier les choses et réfléchir à plein de trucs, juste ouvre la bouche et parle. Ça ira beaucoup mieux. C'est simple, mais ça marche.